Notre planète. Nous avons parcouru un si long chemin. Mais comment sommes-nous arrivés là? Grâce aux mesures. En tant qu'être humain, nous avons appris à mesurer avant d'apprendre à écrire. Par la nécessité de mesurer, nous avons appris à compter. Nous avons utilisé le soleil pour savoir l'heure et basé les unités de longueur et de poids sur d'autres objets terrestres. Les mesures nous ont aidés à devenir marchands, bâtisseurs, astronomes, navigateurs, ingénieurs et scientifiques. La nécessité de meilleures mesures a grandi avec chaque invention. Avec l'adoption de mesures standardisées, nous avons créé l'économie mondiale. Aujourd'hui, nous avons atteint un moment déterminant dans l'histoire de l'humanité. Nous ne dépendons plus des objets physiques pour obtenir des mesures précises. Les règles de la nature fonctionnent sans problème, qu'il s'agisse du monde quantique invisible ou des contrées lointaines de l'univers. Et nos mesures devraient en faire tout autant. Pour la première fois, toutes les unités de mesure du monde seront redéfinies en s'appuyant sur des constantes de la nature. En 2018, la communauté scientifique mondiale se réunira à Versailles pour faire avancer la science des mesures pour les générations à venir. N'importe qui, n'importe où, pourra désormais mesurer avec précision la masse, la température, le courant électrique et la quantité de matière avec la même précision que nous mesurons déjà le temps et la distance. Nous avons parcouru un si long chemin. Et si l'histoire est une indication quelconque de l'avenir, nos nouvelles mesures nous mèneront plus loin que nous ne l'avons jamais imaginé.